Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Papa Mario. Dans le précédent épisode, on a fini le pays des crânions et on s'apprête à découvrir le sixième pilier cœur qui se situe donc à Verso. On est aux abords de Verso actuellement et on a cette chose, ce fameux cube qu'on peut donc casser avec Tap Tap, et on décide d'aller voir un petit peu de quoi il en retourne à l'intérieur de ce tuyau. J'espère que vous êtes toujours aussi satisfaits et nombreux à aimer cette série, parce que moi j'adore la faire. J'espère que vous adorez la regarder, parce que on est vraiment sur quelque chose de qualitatif là. Hop, donc on arrive ici. Est-ce qu'il faut qu'on aille? Non. Ok, ce gouffre ne sert à rien. Oui. Ah, le bon XP. Ouais, Verso, il y a pas mal de trous. Avis Euro, on a déjà oublié si vous êtes bloqué passe en 3D. Ouais. Sauf que moi je voulais. Là-bas il y a un autre truc. Alors on peut descendre par là. On a vu qu'il y a un cube à droite, à gauche qu'on doit aller casser. Mais on va quand même aller voir ce qu'il y a ici. Oh. Alors ici, si je me souviens bien... Ah, on peut passer par là, apparemment. Ou alors, il faut y aller avec Luigi. Je crois qu'il faut y aller avec Luigi. Je vérifie qu'il n'y ait pas un trou dans le mur. Non. Pas de trou dans le mur. On va descendre, du coup, pour voir ce qu'il y a. Je sais même pas pourquoi j'ai cassé ça, au final. Ah oui, c'est le même truc que de l'autre côté. Côté de recto. Putain, ça aussi on peut casser. Ah. Ah, un pixel. Ah non. Un puissance plus augmente votre attaque de 1 de manière permanente. Et bah vous savez quoi, on va l'utiliser tout de suite. Et voilà. Oh, ça c'est fort par contre. Très très fort. Ça va beaucoup nous être utile. Merci au jeu de nous avoir donné un petit puissance plus. Voilà, faut qu'on arrive à aller en haut, mais on peut pas, je crois. On n'a pas. Ouais, il me semble que c'est pas encore débloqué. Je vais vérifier avec le. Allez, avec Tipeee pour voir si c'est pas en. Si, voilà. C'est ce que je pensais. Oh. Allô. Comment on fait pour... Parce que là je suis encore là... D'accord, je vois. Vous êtes comme ça. Très bien. Faut qu'on les fasse tous apparaître. À quoi ça va nous servir d'aller là? On ne sait pas. Merde, je vais pas faire ça. Bah alors. Non, pas ça que je voulais faire. Attends, on va... Voilà. Je peux avoir les deux? Non, pas en avoir qu'un après l'autre. Ah, c'est chiant! Faut que je décoche et que je recoche à chaque fois. Bon, au moins... Oups, merde. Oh. Ah, bah voilà, j'ai trouvé comment on fait pour réactiver le truc. C'est... Ok, bah j'ai trouvé. Non, attends, c'est pas possible, il manque... Ah, il manque un truc, c'est pas possible. Me dis pas qu'il faut Luigi. Mince. Ah, ok. Il est là. Ah! Ok, maintenant je le saurai. C'est le joystick. Alors, on va essayer d'aller là-dedans. Ah! Ah bah bien sûr, évidemment, faut bien faire des erreurs, hein, on connaît. Pour ceux qui ont joué à New Super Mario Bros, on connaît les erreurs. Hein. Putain. Allons-y. Faudrait qu'on fasse pareil à Recto du coup. Pouf. C'est quoi ça? Ah, c'est le pilier de Verso.
Ah! C'est le chemin pour aller, pour passer d'un côté d'un abord à un autre. Oh merde! Alors pour le débloquer, celui-là, il faut finir le pied de recto. Merde! Pourquoi je suis descendu? Mais quel imbécile! Attendez. Bah écoutez, on va pouvoir visiter cet endroit qu'on a encore jamais visité, ça tombe bien. Bonjour. Il y a un trou dans le ciel, moi! Sans blague! J'ai déjà publié ce scoop. Grâce à notre précieux pigiste, notre magazine fait un carton, la demande a explosé. Je suis si content que je ne tiens pas en place. Ouh! Alors. On a des choses à visiter en plus. Ah oui, on peut. On ne peut y aller qu'en étant en 3D. Le café, ça se boit noir, y a pas à tortiller. Entrez, faites comme chez vous. Moi, c'est BG. Ah, oh, BG! Je parle pas très bien, mais je raconte des histoires comme personne. D'accord. Hop. On va aller voir à la salle. Ah! Oh! Oh, what the fuck? Carte dorée qui vous permet de jouer à un mini-jeu secret. Oh. Quelle est-ce donc? Carte recette 5. Une carte de données pour le distributeur de saveurs. D'accord. On peut repasser là. Non, il faut qu'on aille en 3D obligatoirement. C'est sympa. On va aller voir maintenant sur le côté gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut vraiment pas y aller. Donc là, c'est Brock. Donc lui, je crois qu'il donne des trucs bien, bien... Oh! Ça, c'est des secrets, je crois. Essayer de se les prendre. Je sais plus ce que c'est. Oui. Attends. On va acheter un peu les. On va acheter les cartes. On a une petite maison à côté d'ailleurs. On va y aller. On va commencer par les plus chers. Je ne sais pas si j'ai assez de sous en vrai pour acheter la totale. On va essayer de tout prendre. Alors, je sais plus du tout ce que c'est. Hein. Je crois que c'est pour des cartes attrape. Parce que le but c'est de compléter la collecte. Je sais plus si c'est peut-être des cartes légendaires. Il faut utiliser tourni d'ailleurs sur les cartes. Ah mais on les a pas toutes. Ah. Ok. Ça va, on a assez de sous pour tout acheter. Ok. En fait le but de ces trucs là, si je me souviens bien, c'est ça va te montrer une zone du jeu, n'importe où. Et le but du jeu, ça va être d'utiliser tourni sur, je crois que c'est une croix. Et une fois que t'as battu, enfin une fois que t'as trouvé l'endroit et que t'as résolu entre guillemets l'énigme, ça te donne une carte attrape. Il me semble que c'est ça. Je sais plus combien il y a de plans. Je crois qu'il y en a une trentaine. Voilà. Et là du coup on a, voilà, carte. Voilà, c'est ça. Ça c'est recto par exemple. On va faire ça après. Ça c'est la salle des miroirs. Ça c'est aussi un recto. Est-ce qu'on a un truc qui est proche là? Donc là c'est chez... Ça c'est premier niveau du premier monde. Ça c'est le sable. Ça c'est le caillou qui quand tu te mets en 3D ça indique une flèche qui te demande d'aller par devant. C'est au tout début du niveau 3 je crois. C'est le désert. T'as la map avec le palmier rouge. Et puis là, ça, c'est derrière. C'est plus loin. Ça, du coup, c'est à la fin du niveau. Ça, c'est après Dracal. Juste après. Ça, c'est à la fin du premier niveau du monde 2, quand t'as le mana dans le fond.
Ça, c'est évidemment le début du niveau. Bah, ça, au pire, c'est le plus rapide qu'on puisse faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a rien d'autre. Oh, on a la 48 d'écart quand même. On va faire ça après parce que c'est très intéressant. Et là, si on va là-dedans. On voit même pas le PNJ. Hein. La mini bouffe. Les ingrédients de cuisine. Ah oui. Ça pour le coup c'est pas cher. Ça c'est bien ça. Les recettes c'est clairement pas cher. On va peut-être aller à du côté de Recto. Là, en fait les cartes du côté de Verso on a rien. On va aller du côté de Recto. Attends, quoi que. Et voilà. Von Groot. Et on peut faire ça avec d'autres. On va faire ça d'ailleurs avec objet clé. Oh putain, c'est gratuit ça. Donc c'est ici. Voilà, merveilleux. Donc on a plein d'items. Donc là on retourne. Bah non, c'est là. Ok, alors. On y est, c'est juste au-dessus. Là, je vais juste niquer ça. On va utiliser tournis. C'est là. Alors, je me suis loupé. Voilà. Oh là là, des sous gratuits. Oh là là. C'était ça, je crois. Ouais. Yes, c'est gratuit. Allez, du coup, c'était celle-là. Hein. Ouais. Nice. Carte attrape SP. C'est là, juste là. Ouf, la lumineuse. Allez, on sort. Ah, c'était où? C'était juste au-dessus. Ah non, c'est trop... Oh non. Non, vous n'avez pas le droit. Ah, je suis trop petit. Ah non. On va peut-être essayer avec lance loin. Non, on peut pas récupérer. Oui, merci, Dracal. Putain, quelle horreur. Ok, c'est de l'autre côté, donc il faut. Hop. Oh, regardez, il a grandi. Putain, il a bouffé des gens. C'est là. Alors, c'est cette fenêtre là, je crois. Non, c'est peut être celle là. Carte. Ah non, c'est entre deux fenêtres. Là. Parfait. Oh, c'est gratuit. Alors, est-ce que tu me vends des cartes, toi? Non. Je suppose qu'il faut que j'aille revoir l'autre. On va utiliser Minus pour aller là-dedans. Je crois que c'est un autre magasin, mais on va voir. Ouais, bon, ça reste ça. Il a de nouvelles cartes. Parfait, on va donc en acheter. Je sais pas si j'aurai les sous pour toutes les cartes. Oui. De toute façon, on a des trucs à vendre. On va acheter les plus chers en premier. Putain, elles coûtent cher. Waouh. Ah, j'ai plus que 30 pièces. Oui. On prend celle-là, du coup. Ok. Je sens qu'il va falloir que je farme les thunas. Je sais plus comment on fait, mais je crois qu'il y a un... Ah oui, les logachons. Je crois qu'il y a un truc où il faut farmer les logachons. Alors, objet clé. On va retourner du coup. Non, attendez. Tant qu'on est là, il faut qu'on fasse le... Alors, donc ça, c'est le manoir de Merly. Donc, c'est le 2 ou c'est le 3? Je crois que c'est le 2, ça. Ça, c'est le 2, ouais. Là où il y a les gardes. Ah, ça, c'est au tout début du niveau 4 du monde 2. Ça, c'est à la fin du niveau 4 du monde 2. Là où on a affronté Mimic. Ça, c'est au premier niveau du monde 3. Donc, ça, c'est après les tuyaux rouges. Souvenez-vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est le monde... Ah, ça, c'est pile en descendant des tuyaux rouges. Merde.
Donc ça, c'est le deuxième niveau du monde 3 quand on va chercher le pixel poids lourd. Ça, c'est du coup c'est le Fort Francis, hein, donc le stage 4. Ça, c'est le côté. Alors, c'est une des deux tours. Je sais plus laquelle c'est. C'est la porte arrondie. Je sais plus laquelle c'est. On a encore deux cartes. Les toilettes spatiales, évidemment, du monde 4, niveau 2. Et ça, c'est le monde 3, niveau. Non, monde 4, niveau 3, c'est le Combini. Ok, bah écoutez, on y va, hein. Si, il y a un coffre sur le balcon. Une carte. Pléo. Voilà, c'est ici même. Alors, il faut qu'on aille. Alors, c'était quel tableau? Me souviens plus. Non, faut qu'on arrête de le faire au hasard. Ok, c'est le grand tableau allongé, c'est celui-là. Gnip. Ok, parfait. Alors, c'était ici, je crois. Hein. Ok, donc là, il faut qu'on récupère. Oh, Trilingo, yes! On pourra acheter de nouveau des cartes. Parfait. Et maintenant, on va aller au. Alors, si je me souviens bien du chemin, c'était là. Est-ce que c'est. Ouais. Tout ça pour ça. Super. Ok, fléau au retour. Alors les fléaux, je crois que c'est les. Bah c'est justement les. Les machins là. Ça. Voilà. Voilà, c'est ces conneries-là. Y en a un, s'il touche, tu retournes à recto. C'est lui, le gris. Si on le touche, tu retournes à recto. C'est chiant. Ok, donc. Ah bon, on va quand même se. C'est où? C'est là? C'est pas ça que je voulais faire. C'est. Bah, c'est là. Parfait. C'est là. Apparemment, c'est là. Ok, parfait. Méga Bloops. Ok. Du coup, maintenant, prochaine carte, c'est. C'est Fort Francis. Ok, c'est ici. Là-haut, faut que je monte, voilà. Alors, c'était où exactement? Là. Francis, ok, parfait. Gars, t'es venu pour rien. Squirt, bien. Mister L. Oh, mais après, en même temps, t'as des trilingots, t'as des machins, ça coûte hyper. Enfin, ça. Ouais, c'est ça redonne beaucoup de sous. Ça se rentabilise au final. La carte 35. Après, il y en a qui me demandent le monde 6, le monde 7 et le monde 8 qu'on n'a pas. Ou alors tout simplement des endroits de verso qui sont cachés. Ok, et on a quoi du coup sur ces cartes-là? On a. Le. Ah, ok, d'accord, c'est le. C'est un endroit assez avancé de la zone interdite du le monde 4. 4? Ici, du coup, on est sur du crayon, j'imagine. Ouais, donc ça, c'est la fin ça, c'est la fin du monde 1. Pas du niveau 1. Ça, c'est le volcan. Où on était avec Peach. Ça, c'est la fin du monde 3. Le bloc final. Du monde 3, du niveau 3. Et ça, c'est le wagon. Attends, ça. Oui, ça, oui. Ça, c'est. Ah, je sais plus du tout quel wagon c'est. Ça, je pourrais pas te dire. Parce qu'il y en a trois. Oh là là. Prêt robot. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a un magasin ici.
vendre. Oui, ça, on peut se débrouiller sans. Le trilingot qui... Ah, tiens, le prix a changé. Ah, ça dépend du vendeur. Bah attends, je l'ai arnaqué. What the fuck. Tiens, la carte attrape, on va pouvoir l'utiliser sur le mammouth. Saloperie. Allez, rentre. Oh, ça va être difficile avec eux. Oh, j'ai réussi. Un moot. Un moot. Tiens, on... Ça a combien de PV cette merde? C'est où? Putain, il est loin. Ah oui, 2 étoiles quand même. 100 PV. c'est où déjà? C'est là. Ouais. Indiana Crag, ok. Hop. C'est celui-là. Pouf. Allez, petit soda champi. Voilà, c'est juste là. Ouais, on est d'accord. Ouais, ça doit être là quand même. Oui, enfin. Sonolite et Filmolite, parfait. Il peut pas y avoir Van Groot ici parce que... Ah! Ah d'accord. J'avais oublié ça. Jean-Pierre, bah c'est lui justement. Pas Jean-Pierre. Celui qui ressemble à Maître Sega, tu vois. Ok. On va aller le voir pour lui consommer la carte. Ce côté-là, dans votre petite main tremblante, c'est une carte dorée. Oh, seigneur du jeu vidéo, le VIP. Voilà. Juste pour voir c'est quoi. Retour marteau. Évidemment que non, on va pas jouer. Vous avez vu à quel point je galérais dans les dans l'épisode où j'y ai joué. Bon, bah, on va pas le faire. Ah bah non. Ah, oh, 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 il est là. Ah, vous savez, tu travailles pour Von Groot. Mais comment vous avez fait pour arriver jusqu'ici? Ça c'est vraiment étrange. Mais peu importe, je m'en encore. J'ai fait une inspection où c'est possible de faire un tuyau jusqu'au pied de la tour. Et vous devez payer les 100 pièces de la construction, le marché d'île conclut, ya. Allons-y. Super, ya, je vais commencer tout de suite, fou, poussez-vous. Jusqu'au sommet de la tour? Comment ça? Heureusement qu'il y a lui, hein. Putain. Je suis au marché, ok, d'accord. Ça va où ça? Ah! Ok. Bah c'est parfait. Parce qu'on va aller aux abords de Recto. On monte là et maintenant il faut qu'on utilise Tipeee. Hop, j'ai potentiellement trouvé la bonne solution pour accélérer un peu avec ça. Allô, merci. Et ben voilà. Oh, il y a un bouton.
On va aller l'appuyer. Je veux juste aller ici. Oh bah il y en a un autre. Déjà? Pardon. Attendez, on va d'abord aller appuyer là-bas. Ah, il nous ouvre déjà l'accès au puits des sans épreuves. Mais non. Ok. Et ça, du coup, c'est un... Un PC+. Nice. Bah, c'est gratuit. Écoutez, je veux voir ce que c'est le tuyau là-bas. Puis des sans épreuve. Ouais, ouais. Danger de ne pas entrer. Mais on peut vraiment y aller en plus. Ok, là on a le même truc. Il est là, Fun Gros. Ah, on a. Ah! Mais non, c'est là où on était tout à l'heure, je suis con. Vas-y. Du coup, il va me ramener en haut aussi. Comme ça, au moins, sur le deuxième étage, on aura les deux extrémités à chaque fois pour les tuyaux. Voilà. Donc là, on peut directement descendre en bas, c'est bien. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je vais remonter par là. Ah, il a plus de cartes. Ok. Du coup, on arrive enfin à la fin de tout ça. Ah, ah, il faut passer petit. Ça, j'avoue, c'est chiant. Hop. Tap, tap. Parfait. Et voilà le pilier cœur. Il est temps de placer le cœur. Mais évidemment, on n'ira pas au monde 6. Hein. On ira après. Prochain épisode. Ah, cet épisode aura été long. Très long. Je pense que ça fait au moins 1h30 que je suis dessus, non? Ah oui. 1h38 pour être précis. Mais comme il va être monté à mort, je pense qu'il y aura beaucoup, 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 beaucoup de cuts. Si j'arrive à retirer 1h, je suis bien content. Ok. Here we go! Lors du duel des 100, le héros sera confronté au sombre pouvoir du chaos. S'il ne peut triompher des 100, le chaos s'épandra et le cœur pur s'estompera. Et si cela devait se produire, le héros serait alors propulsé dans un monde du Game Over. C'est tiré d'un chapitre de l'Opus Luminus que je viens de déchiffrer à l'instant. J'en déduis que si vous ne remportez pas ces duels, tous les mondes seront détruits. Et qu'apparemment vos vies seront perdues au même titre que le cœur pur. Je suis conscient que cela fait renforcer votre appréhension. Cependant, je me dois de vous y envoyer. Je me désole de ne rien pouvoir faire d'autre. Bien écoutez, on va se donner rendez-vous dans le prochain épisode où on va donc faire le... Je vais d'abord aller devant la porte parce que... Au cas où, s'il y a un speech devant la porte. Il y en a très sans doute un. Il n'y en a pas. Ok, parfait. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à tous. Bye!